Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Fallout Je 4. veux sortir. Je me dirigeais vers University Point quand le Il y a frigo m'a quelqu'un parlé. là-dedans? Sortez-moi de là! Qui es-tu? Je m'appelle Billy. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Ça fait hyper longtemps que je suis là-dedans. J'en ai marre. Bah alors, Billy? Je vais t'ouvrir la porte. Merci. Je croyais que je sortirais jamais. La porte est coincée. Vous allez devoir la démolir. Qui est là? Sortez-moi de là! Je vais t'ouvrir la porte. Enfin! Je suis trop impatient de sortir. Je crois que c'est coincé. Vous allez devoir utiliser votre arme. Faut que je gaspille une balle de 44 pour toi. Ah, j'ai les jambes engourdies. Ça a vachement changé ici. Ça devait... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, mince. Je vais t'emmener en lieu sûr. Je veux rentrer chez moi, avec papa et maman. Pardon de te dire ça, petit, mais tes parents sont sûrement morts. C'est vrai? Vous croyez qu'ils sont morts? Alors je suis tout seul. Qui va s'occuper de moi? Vous? J'imagine que ça ne coûte rien d'essayer de retrouver ta maison. Ou ce qu'il en reste. J'espère qu'elle n'a pas explosé. J'avais plein de cartes de baseball super rares. C'est la nuit. Mais il fait quand même vachement plus clair que dans ce frigo à la noix. Bon, faut que je retrouve la maison de Billy maintenant. Le gosse du frigo. Bravo Billy. Ah, d'ailleurs, il faut que je recharge ça. Rechargeons cela. Tilly, ok. Bon, je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant là-dedans, mais jetons un œil. Hein? Il y avait un truc qui était ramassable. Ah oui, ah oui d'accord, oui, il y aurait du cendrier, des conneries, quoi. Ok. J'espère qu'on va trouver ce qui est arrivé à papa et maman. Bon, ok. Il est où ton chez-toi, Billy? Parce que là... gosse du frigo, c'est où? Ouais, ça à côté, Quincy, tout ça. Go, on y va à pied. C'est par là. Regarde, vu ton chez-toi, c'est par ici. Jamais passé par là? Eh ben jamais. Eh ben jamais. Ça c'est encore un coup, je me suis TP entre les deux. Y'a quoi là? Armure assistée? Ah! Bon, bah voilà! On trouve des choses intéressantes dans ce pays, hein! Il y avait des goudrelles. Vous pouvez récupérer. Défaut d'alim. Oui, mais je m'en fous de ton défaut d'alim. Ça c'est quoi? Il y a quelque chose de récupérable là-dedans? Rien. Mec, il y avait des goudrelles là-dedans. Oh non, mais ça va faire bip bip tout le long là, comme ça? Ah, ma vie est à chier. C'est quoi, gamin? Téléportation. Parce que là, le bip bip de l'infini... T'es gentil, mais... Ouais, non, alors je voudrais me TP chez moi, s'il te plaît. Normalement je peux. Bon, Sanctuary, vas-y, téléporte-moi. Ah bah oui, c'est Sanctuary tout court d'ailleurs. Et je vais arriver sur mon petit tapis en hauteur. On va ramener Billy chez lui. Petit contretemps. Petit contretemps lucratif, hein, puisqu'on ramène une armure X01 quand même, ça fait toujours plaisir. Toujours ça de gagner. Billy. Non mais sérieux. Les mecs l'ont appelé Billy. Du coup, ça nous fait des petits bouts à explorer comme ça, parce que je me dis, University Point, vu que c'était une zone où j'ai pas trop voulu me rapprocher, il va y avoir quelques petits trucs. J'ai un marqueur personnalisé aussi sur ma carte en plein centre, je dirais, de Boston, dans le centre de Boston à peu près. Centre est de Boston, où j'ai mis un marqueur, donc doit y avoir quelques petites choses que j'ai pas vues là-bas. Heureusement qu'il y a cette possibilité de laisser un marqueur dans un coin. Cette lentille est beaucoup trop basse par rapport à la sortie du rayon. C'est n'importe quoi. Ça semble que je trouvais extraordinairement nul. Jamais passionné. Hein. Ah, aimez le bip bip tout puissant vous aussi. Ah, avancez. Marcher. Caméra 1.
Caméra 2. Bon bref, les caméras ça déconne. J'avais oublié que le ciel était aussi joli. Non mais alors, juste une. Vraiment, juste une. Voilà. On dépose les autres. Voilà. Ah, je vais la caler où, mon armure? Je vais ranger ça où? C'est embêtant. La place vient vraiment à manquer ici, hein. C'est cruel, hein. C'est cruellement le cas. Est-ce que je peux te déplacer? Oh, je suis certain. T4T, gamin. Laisse-moi trouver une place pour ranger ça. Je te jure, après, on trouve ton chez-toi. Hein. C'est compliqué. Admettons, ouais, voilà. Par exemple, on pourrait mettre ça, genre, si le jeu voulait bien, genre par là. Pas mal. Et alors, celle-là. Cette caisse-là. Voilà, cette caisse-là. Est-ce qu'on peut la mettre sur l'autre? Sur l'autre, non? Non une fois, non deux fois. Plus comme ça, alors. C'est un bazar, le truc, je te jure, c'est incroyable. Ça, à ça, on ajoute. Hop, fabrication. Allô? On peut avoir nos fabriques, atelier de chimie, machin. Des bidules et des trucs. Je n'ai aucune ressource ici, évidemment. Donc je vais planter l'armure là. Et on reviendra s'occuper de ça plus tard. Voilà, très bien. Billy. Billy, il faut qu'on t'emmène ici. Attendez, Billy, Peabody Barrack. C'est parti. C'est parti, on ramène Billy à la Peabody Barrack. Ces robots sont solides, hein, pour des robots de base. Ça, c'est toujours le truc qui m'a fait rire, c'est que le série robot paraît plus solide que le, ou au moins aussi solide que le Lazerotron, qui est un vrai châssis militaire, quoi. Enfin, c'est un vrai robot de combat, quoi. Grosse musique pour absolument rien du tout qui se passe. Ah, grosse musique, lourd la musique. Lol. Oui, les phases de chargement, c'est génial. Vous croyez vraiment que c'est le bon chemin? Bah, c'est ta baraque, mec, hein. Pour la mienne, hein. Ah! Maman? Papa? Bonjour. Vous êtes là? Mais qu'est-ce que... Ah bah, des os. Non mais, vraiment, je voulais pas, hein. Non mais vous êtes un peu chiant aussi, Non mais, voilà, non mais, si, c'est chiant, non mais... J'aurais pas essayé de rentrer, genre, de les dépouiller tout de suite, faut dire, c'est pas un bon réflexe. J'ai mieux comme réflexe, Alors, du coup, vraiment, juste pour vous, hein, en exclusivité sur Comme d'habitude Gaming, deux nouvelles phases de chargement offertes. Comme ça, c'est cadeau. N'hésitez pas à sauter dans la vidéo. Voilà. Et sinon, ça, c'est un canon Tesla pour ceux qui restent là. Gros fusil. Gros fusil. Je l'ai pas trouvé ouf, ce fusil. Bien, je l'ai pas vraiment testé sur des gens. C'était un peu comme ça, je fais cadence de tir trop long. Au revoir. Pouic. Et si on faisait danser un canon Tesla pendant une phase de chargement? Pouic. C'est nul. Ouais, c'est nul, et alors? Par contre, il a grave une bonne tête. Grave une bonne tête, ce canon Tesla. La musique est trop chaude, hein. Musique qui te tape des téléchargements comme Jaja. Qu'on peut plus, hein. C'est trop bien. Musique d'ambiance de folie. Musique d'ambiance de folie.
Ah, on peut se re-TP. Si ça intéresse vraiment personne, go, on se re-TP. À la Peabody House. C'est tellement bien. Série robot. Modèle conçu par General Atomics avant la Grande Guerre. A une particularité unique et utilise un authentique cerveau organique en guise de processeur central. On a croisé des robots comme ça, buggés, meurtriers, parce qu'en fait à la base on leur met des cerveaux de synthèse ou alors des cerveaux de prisonniers. Bah non, pas des cerveaux de synthèse. Ouais, je crois que j'en ai déjà croisé avec des cerveaux de synthèse. Et encore, je suis même pas sûr. Sûr pour les cerveaux de prisonniers. 100% certain. Ce robot de l'apocalypse avec son œil unique, cerveau planté au milieu, c'est tellement glauque. T'as beau l'arranger comme tu veux, le robot il aura toujours l'air glauque. C'est le robot, c'est le cerveau robot dans la dessin animé Les Tortues Ninja. Je sais même plus comment ça s'appelait. Tiens, un cache-tête. Ah, comme ça, il est très joli. Ah, comme ça, oui. Comment tu suis, gamin? Vas-y, suis. Papa? Vous êtes là? Billy? Stan? C'est toi? C'est moi, papa. C'est vraiment moi. C'est un miracle. On croyait que tu étais mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tout brûlé comme moi. Nous sommes des ghouls, Billy. Les radiations nous ont transformés. Comme toi. Ne t'inquiète pas, Billy. On s'en fiche que tu sois comme ça. On t'aime comme tu es. Moi aussi, je t'aime, maman. Vous m'avez tellement manqué. Ça fait des siècles que je vous ai pas vu. Ouais. Merci de nous avoir ramené notre petit garçon. Vous avez dit qu'ils étaient morts. Ouh là ! Dans la maison ! Je veux ces ghouls ! Surtout le gamin ! Vous pouvez les laisser venir avec moi sans faire d'histoire. Ou vous pouvez mourir. À vous de choisir. Pourquoi il veut que je vienne avec lui? Oh non, ils veulent emmener Billy. Ils ne l'auront jamais, Carole. Il faudra qu'il me passe sur le corps. Billy, monte à l'étage. Je ne vous laisserai pas faire. Ces gens sont sous ma protection. Je vais me faire un collier avec tes oreilles! Oh non, ne les laissez pas emmener notre Billy. Des artilleurs? Vous n'êtes pas planté un peu de saison, les filles? Pour venir nous emmerder, là? Il y en a quoi? Il y en a partout, là, c'est ça, autour? Bon, attends. Ça arrive. J'aurais pu mentir, ouais, j'aurais pu. Bonjour! Je voulais être bien prêt pour bien te la coller en pleine tête, enfoiré! Quoi? Ah, ouais, merci. Parce que là, j'allais dire Injustice for All. Bullet. Oh, t'es un peu loin, Bullet, hein. Attends, t'as un copain auteur normalement. Dans deux secondes, je le pouille maintenant, sinon je vais oublier. Non, je vais perdre le cadavre, hein. Je me connais, mec. Ah, mais y'en a un, il est invisible. C'est trop kawaii. Ouais. Ouais. Oh, j'adore comment j'ai pas beaucoup de choix, hein. Génial le coup du Steel Boy, mec. Les gens qui sont chauds. Ah, il se cache derrière son arbre, sorte derrière ton arbre. Voilà, merci. Hop hop, petit détour sur moi-même. Hop. Ah, 71, hein. Je vais te prendre les côtes, mec. Hein. Ouais, déjà que. Oh, fais quoi l'autre juste devant là? On se calme, hein. On se calme. Mais ils sont ultra chauds, là. C'est quoi tout ce déploiement de matos, là? Ah, il y a un autre tas de ferraille au milieu, là. Hein. Ok, ils tirent tout dans l'arbre, parfait.
oui. Ah, et l'autre qui bugote, c'est génial, hein. Oh, elle me met une dose au close, là. Ah, c'est génial. Non, mais là, pour une fois, ils sont forts, ça fait plaisir. Mets-moi un Steam, là. Colle-moi un Steam ou deux, là. Hop. Alors, attendez, je me déplace tout de suite avant de perdre les cadavres. Hein. C'est comme tout, comme d'habitude. Vous dirais-je bien gaming, mais vous connaissez la chanson. Il y en a un là, il y en a un par ici. Ils sont où les autres? Major, vous êtes très mal caché, Major. Hop, petit rechargement. Ok. Major, vous êtes très bien caché, hein. Félicitations. Le jeu a dit que vous étiez très bien caché, en fait. Décidément. Oh, petit retourné après balle dans la tête là. T'es programmé pour crever. Ouh. Il y avait un mec par là à la base. Il est où le dernier? Mais ils sont plusieurs artilleurs là-haut. Oui, c'est un camp d'artilleurs en fait. C'est pour ça. Laissons-les là-haut. Ils sont bien. Si je descends, j'irai le chercher. J'ai cru voir tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un dans cette case-bas. Donc ils m'ont mis un petit tarif hein, quand même. Hein. Pouh. Oh, le robot au close. Déconne zéro. Hein. Il y avait un gars ici. Ils ont dû le buter. Est-ce qu'on a d'autres comme conneries dans le coin là? Ils sont tous vivants, c'est beau. C'est beau. Dominateur artilleur. C'est bien, c'est fait. Personne ici. Je pensais qu'il y en avait au moins un de plus. Au moins un petit truc à boire là. Ah, ça va un peu mieux. Ça fera l'affaire. Ici c'est bon, j'ai dépouillé tout le monde. Eh ben j'ai bien fait de les dépouiller au fur et à mesure, hein. Comme ça je n'ai oublié personne. Oui, monsieur. Hey. Merci de nous avoir ramené notre petit garçon et de nous avoir protégé de ce monstre. Ça me fait plaisir de vous avoir réunis. Tenez, prenez ça. J'aimerais pouvoir vous offrir plus, mais comme vous le voyez, nous n'avons rien. Oh merci. Petite quête annexe très sympathique. Si vous voulez mon avis. Petite quête annexe qui ne déconne pas du tout d'ailleurs. Retour en bercail, machin, les bêtises, les âneries. Moi je dis ça fait un petit épisode, pas trop vilain. On peut s'arrêter comme ça, c'était bien. Voilà, c'était Knarfank sur comme d'habitude gaming. Pour Fallout 4, et bah je vous dis à la prochaine. Ciao.